Atelier Géodesign, bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation d'un jumpy donc qui est blanc initialement et sur lequel j'ai fait un covering complet, donc covering publicitaire. Le client, donc c'est ce monsieur qui est arrivé avec la photo d'un utilitaire qui avait une déco similaire et il souhaitait l'adapter sur son jumpy avec son personnage et sa publicité. Donc base micro perforée sur la vitre, sur les vitres, impression numérique. Au passage, merci au collègue qui m'a fait passer le chantier, parce qu'il faut savoir que ce monsieur, je parle de Greg l'artisan, est arrivé à mon local en me disant « voilà la photo de ce que je voudrais, un de vos confrères m'envoie chez vous ». Merci confrère. Bon, je reprends. Covering complet, quoi d'autre, impression numérique j'ai dit, on va aller regarder un petit peu les détails. Ce que j'aime particulièrement faire quand j'écris du texte, c'est ajouter ce que l'on appelle une ombre portée. Donc, comme son nom l'indique, ça représente l'ombre du texte sur le dessin. Ce que je fais généralement, c'est que je la mets en mat. Vu que le fond est brillant, on voit mon reflet dans l'image, dans l'adhésif, le mat coupe cette brillance et de fait donne un petit relief au lettrage. On a fait attention de mettre le visuel droit à droite et le visuel gauche à gauche. Je le sais grâce au tatouage. Alors voilà un embouti de portière qui a été réalisé en covering sans démonter la poignée. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est inscrit et un second élément qui recouvre. Et le chevauchement se fait sur l'arête. Ouais, pas assez net. Donc, que ceux qui pensent que faut absolument démonter, bon, ne s'en fassent pas, on sait faire un boulot propre sans démonter les poignées. Et le pire, c'est que du côté chauffeur, j'ai démonté la poignée. Alors, il n'y a aucun raccord, certes, mais j'ai bien galéré à la remonter surtout. D'où la solution alternative. Donc voilà pour le travail. Ah oui, souvent on me demande à l'intérieur comment c'est fait. Alors selon les modèles, on va plus ou moins loin à l'intérieur. Là c'est sur un utilitaire. Donc le retour est relativement court. Néanmoins, permet, lorsque la porte est fermée, de ne pas avoir de couleur carrosserie qui apparaît. Et puis pareil pour les retours de portière. Un léger retour de manière à ne pas avoir d'amorce de décollement. Voilà le travail. Encore un beau véhicule réalisé par l'atelier. Bonne fin de journée à tous. À plus tard. Ciao.